dans cette ville du nord-ouest tunisien toute proche de l'Algérie, beaucoup d'habitants vivaient de la revente de produits achetés moins cher chez leurs voisins. Alors la fermeture de la frontière algérienne depuis le 19 mars pour cause de crise sanitaire a durement affecté la population. بالنسبة للصيف وكشتاء تو باش نهبطوا سلعة جديدة مثلا كباب ونهبطوا سلعة أخرى وكذا باش نخدموا على روحنا تعبين توا عندنا الحد مساكن نستنوا وقت شي. Plus au nord, la ville tunisienne de Tabarka. Près d'un million de touristes algériens y ont transité en 2019. L'année dernière ou les années qui ont précédé, donc il y avait de la clientèle qui venait même après l'été, puisqu'il y a le week-end prolongé, donc ils viennent en Tunisie donc soit pour des courts séjours, des longs séjours. Donc le tourisme national, il a perdu une grande partie de sa clientèle. L'Algérie est le cinquième pays qui importe le plus de produits tunisiens. Le commerce entre les deux pays est ralenti, avec des conséquences sur les entreprises et donc sur l'emploi.